Je me suis rendu compte que j'avais plein de blocages, mais que du coup, le fait de relire la Morning Formula tous les jours me faisait grandir, me faisait dépasser plein de choses. Qu'est-ce qui a changé au niveau de ta vie aujourd'hui? De l'affirmation, beaucoup d'affirmation, de le fait de m'autoriser, de jouer avec ça et de prendre chaque obstacle comme un jeu. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je reçois Jennifer qui va nous parler de son expérience au sein de l'accompagnement Deviens Coach Prospère. Bonjour Jennifer. Bonjour Olivier. Et merci d'être là, merci d'être présente. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Oui, alors donc Jennifer Aubin de Cortez, je suis coach parentale aujourd'hui et je m'occupe des couples pour retrouver en fait un équilibre éducatif, pour retrouver une harmonie de famille. Voilà, ça c'est le cœur de mon activité, pour faire très simple. Top, excellent. Est-ce que tu peux nous expliquer la problématique que tu vivais avant de faire l'accompagnement? Qu'est-ce qui, en tant qu'accompagnante, t'empêchait justement de vivre la vie que tu souhaitais? Ok. Alors avant mon accompagnement, donc là c'est toute la partie où je connaissais pas la partie technique. Je connaissais pas du tout comment on pouvait réseauter, pouvoir faire des pubs, pouvoir faire un tunnel de vente, pouvoir faire une masterclass. C'était un monde complètement inconnu pour moi, le monde de la toile, on va dire. Et j'étais plus dans le présentiel et j'avais vraiment besoin pour pouvoir ouvrir ma mission, ce que j'appelle ma mission en fait, qui est vraiment précieuse à mes yeux, de pouvoir l'élargir et du coup pouvoir m'ouvrir à la toile. Et l'aspect technique, j'y connaissais rien du tout. Et là, je peux dire que du coup, voilà, c'était vraiment un gros, gros élément pour moi, un gros manque en tout cas pour moi. Ok, ça marche. Donc c'était principalement la technique qui t'en... enfin le fait que tu manquais de connaissances vis-à-vis de ça, et ça t'empêchait quoi en fait, le fait que tu connaissais pas la technique? Ben, ça m'empêchait en fait de m'ouvrir au monde, de pouvoir faire en sorte que des personnes qui seraient concernées, qui sont concernées par mon accompagnement, de se priver de cet accompagnement-là. Ça m'empêchait aussi de pouvoir élargir donc toute cette clientèle, mais aussi de permettre, en fait, parce que là, par exemple, j'ai des personnes du Canada qui m'ont contactée. Chose qu'en présentiel, ben, je ne pouvais pas du tout faire, quoi. Et sauf faire un voyage expressément pour ça, ou voilà, que les personnes se déplacent. Mais je vois un lien assez direct. Et finalement, j'ai relié aussi cet aspect toile et cœur, voilà, les deux, qui me paraissaient assez dissonants cognitivement pour moi avant, en fait, tout simplement. Ouais. D'accord. Ok. Et pourquoi t'as choisi de travailler avec nous? Ben parce qu'en fait, j'avais entendu parler de ta formation, que j'étais super motivée et que ce qui m'a parlé en fait dans ta masterclass, pour être honnête avec toi Olivier, c'était le fait que tu ailles, qu'on sente vraiment là où tu vas, que tu vas nous y emmener et que tu sois assurée dans ça. Donc c'est une confiance en fait voilà, dans ta masterclass et le fait aussi qu'on puisse allier tout ça avec le cœur. Et pour moi, c'était deux valeurs essentielles pour moi, c'est de savoir où je mettais les pieds et de pouvoir allier le business aussi avec le cœur. Et ça, j'ai senti ça vraiment profondément dans ta personne lors des coachings et également par la suite, hein, mais surtout dans ta masterclass en fait. C'était hyper clair, hyper lisible en fait, ce message-là. Génial. Génial. Et qu'est-ce qui se serait passé si tu n'avais pas fait l'accompagnement? Eh ben, j'en serais pas très loin. J'en serais avec mes cartes de visite, alors que je savais pertinemment que ça servait à rien, parce que j'avais vu aussi tes vidéos avant qui m'avaient beaucoup aidé. Voilà, à prendre conscience de pas mal de choses. J'ai pas mis longtemps, j'ai mis, bah, pas longtemps, tout est relatif, j'ai mis 3 mois à me décider, surtout à rassembler l'argent en fait. Et j'en serais à distribuer mes flyers, à galérer dans les salons, à faire du présentiel, enfin, en fait à perdre mon énergie, à me faire perdre mon énergie, à priver les autres de mon accompagnement. Voilà où j'en serais en fait, exactement, c'est ce que je ressens. Ouais. Ok, donc là tu choisis de prendre un rendez-vous de coaching stratégique avec nous. Est-ce que tu peux nous parler de ce moment? Comment ça se passe? Bah, ça a été hyper fluide, c'était avec Florence.
D'accord. qui est une très chouette personne déjà. Déjà, bah, dans l'accueil, ça s'est super bien passé parce que beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance, de l'écoute, une écoute subtile et ciblée. Et j'ai senti que j'étais écoutée, j'ai senti qu'elle avait bien ciblé mon problème. Moi, en tout cas, en tant que client de Coach Prosper, je savais déjà que voilà, la masterclass m'avait déjà enthousiasmée. Et j'ai senti qu'en plus, avec Florence, du coup, elle avait bien ciblé mes problèmes. Et je savais que du coup, là, ça ne faisait que conforter. Voilà. L'idée que je savais où je mettais les pieds et que ça allait se faire avec beaucoup de bienveillance et de cœur et de gratitude, quoi. Ok. Ce qui se voit tout au long de l'accompagnement, en fait. Ok, d'accord, clair. Et là, donc, tu décides de commencer l'accompagnement suite à tout ça. Donc, tu prends cette décision. Comment t'es accueilli dans l'environnement du Coach Prosper? J'ai trouvé que l'accueil, il était simple. Et quand je dis simple, c'est une très grande qualité pour moi. C'est-à-dire qu'il se faisait simplement, sans se prendre la tête. On arrive comme on est, avec nos émotions, avec nos blocages, avec nos peurs. Il n'y a pas de jugement. J'ai trouvé que les coachings de groupe étaient très porteurs et très soutenants. Parce qu'à chaque journée, du lundi au vendredi, il y a un coaching de groupe, un ou deux coachings de groupe, qui nous permettent de même si voilà, c'est sur la même thématique, le fait de rappeler sans cesse, le fait de faire des rééquilibrages de perception, le fait de revenir tout le temps, ben en fait, on intègre, on intègre, on intègre, on intègre. C'est vraiment différent du fait que si on avait juste une leçon, entre guillemets, sur le mindset, sur cette thématique-là. Ben non, le fait de revenir et de réentendre ça, ça y est, on l'intègre, et ça finit, et ça fait sourire toutes mes cellules à un moment, quoi, en disant oui, ça, ok, là, c'est bon, voilà. Le fait aussi de pouvoir sentir la force du groupe, des autres coachs qui suivent la même formation, qui ont les mêmes blocages. Et j'ai remarqué aussi que pendant les coachings, alors, je ne sais pas si voilà ce qui se passe à ce moment-là, mais c'est souvent la même thématique qui arrive à ce moment-là pour tout le monde un peu. Qu'on se pose un peu les mêmes questions au même moment, même si on en est à des endroits différents dans la formation, donc c'est assez rigolo. Et aussi, je trouve que c'est porteur quand tu arrives au tout départ, parce qu'il y en a qui parlent de masterclass, alors que tu sais pas du tout de quoi il en retourne. Et finalement, le fait déjà aussi d'entendre ceux qui sont en EHPAD, en retraite, qui sont déjà voilà, plus avancés, ça permet aussi d'intégrer aussi de cette façon-là des nouveaux mots, des indications qui fait qu'on intègre en fait. Et tout ce mélange-là, tout ce riche melting pot fait que du coup, ah ok, je vais entendre parler de ça un moment, d'accord, je me rassure. Voilà. Et voilà ce que je peux dire pour l'accueil. Et chaque coach, et notamment mon coach personnel qui était Kevin, ça a été très structurant, très structuré. On a bien avancé, on a fixé des objectifs à chaque étape, et ça nous a permis de, enfin moi en tout cas, ça m'a permis de pas voir la montagne que j'allais gravir à l'autre bout là-bas en faisant oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mais plutôt de me Ok, ça va, ton coach te dit que c'est ok, on avance petit à petit. Et je pense que c'est par ce biais-là que j'ai réussi à aller jusque là où j'en suis aujourd'hui, en fait. Hop, ok, donc étape par étape. Ouais, exactement, ouais, étape par étape. D'accord, Ouais. ce qui t'a permis de passer différents niveaux, divers niveaux. Ouais. Alors, ça peut paraître tout à fait simple comme explication, mais le fait de le vivre pleinement dans l'accompagnement et de te rendre compte qu'effectivement, c'est ça qui fonctionne. Parce que souvent on dit bah, les outils peuvent être simples et tout ça, mais non, c'est le fait de l'entendre, de le réentendre, et finalement tu finis par l'intégrer, parce que tu peux l'intégrer intellectuellement, mais ça va jusque dans ton corps en fait, et c'est de cette transformation-là dont je parle en fait. Yes, top. Ouais, effectivement, c'est important que tu le soulignes parce que c'est vrai qu'il y a une grande différence entre comprendre intellectuellement et intégrer et obtenir un résultat grâce à ça. Ouais, c'est clair. Ah, tout à fait. Je suis convaincu. Ouais. Ok, bah justement, quelles sont les choses que tu as fait évoluer en interne? Est-ce qu'il y a tu as eu des blocages ou est-ce que tu avais des peurs au départ que tu as pu
Ouais, faire évoluer tout simplement. La peur, alors il y a deux choses qui me viennent vraiment très fortes là. C'est la peur d'être visible au monde entier finalement. Tu Ouais. vois. Une peur qui se retrouve beaucoup chez les coachs prospères et que tu soulignes assez justement dans tes coachings de mindset. Et, mais il faut le vivre pour le croire. Dis oui, pas de problème avec la caméra, voilà. Bah oui, bah en fait, si, complètement. Ouais. Donc j'ai réussi vraiment à dépasser ça et à m'en amuser. Parce qu'entre Ouais. le moment où j'étais là, oh, mon Dieu, je suis obligée de faire ce truc-là, voilà, un truc comme ça, dans cette espèce de oh, mon Dieu. Et Oui. le moment où je me suis dit, non, je m'amuse de ça, d'être visible et de me filmer, ben, il y a eu cette transformation-là. Ouais. Vraiment très, très forte et très puissante parce que il y a une citation qui dit. Qui es-tu pour priver les autres de ta richesse? Donc ça te ramène un peu à ta propre humilité et en disant que c'est important de faire l'effort aussi d'oser aller au-delà. Et finalement, le groupe, l'énergie des coachs et que ça t'emmène vraiment vers ça. Et la deuxième chose, c'est cette reliance entre mon intérieur et mon extérieur. Ce que je peux vivre à l'intérieur et oser le mettre dans la matière pleinement avec qui je suis. Spontanéité, avec authenticité. Et chose que je pense que j'ai cachée pendant 40 ans, véritablement. À l'extérieur, je veux dire, dans mon cercle familial, non, mais vraiment à l'extérieur, oui. Et du coup, je me cachais, je pense, plus avec mon côté structurant, structuré, alors que j'ai un côté intérieur très riche. Et j'ai réussi aujourd'hui à faire en sorte que je propose aujourd'hui des guidances parentales. Donc, les guidances, c'est plus ce que je reçois comme message. Et guidance parentale, parce que je propose un accompagnement très structuré qui permet justement d'avancer marche par marche, mais qui aussi a un côté beaucoup plus dans l'écoute subtile à l'autre, en fait, aussi. Ok. Est-ce que tu, enfin, est-ce que tu te, est-ce que tu te serais autorisé, je vais y arriver, à faire cela il y a quelques mois auparavant? Mon Dieu, non. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Dans un cercle fermé, caché, bah oui, comme j'avais l'habitude de faire, en fait. Oui, et en fait, le fait de me dire qu'il y a 20 ans, j'étais à l'aise devant les caméras, mais dans un cercle familial encore. Et là, le fait de me dire, bah là, ça y est, j'ose. Et finalement, ce qui me donnait je pense, un manque de confiance en moi, c'était le fait de me dire que ça y est, enfin, j'allais pouvoir offrir mon intériorité. Et que là, j'ai osé et que je me suis autorisée, voilà, en lâchant prise, mais c'est aussi et en grande partie grâce à cet égrégore, finalement, de ce groupe qui permet de dépasser tout ça, en fait. Et c'est vraiment, il faut vraiment le vivre pour ressentir ça profondément, quoi. Parce que de le dire, bah, tu vas l'intégrer, comme je disais tout de suite, intellectuellement, mais le fait de le vivre, ah voilà, ok, je comprends le message, je comprends ce que ça veut dire, je vis ça et je permets de l'exprimer ensuite pour pouvoir dire ce que je ressens et dire que j'ai pu vraiment dépasser ces obstacles et ces blocages-là, quoi. Top. Super. Est-ce que tu as eu des difficultés sur le parcours? Si oui, comment tu les as surmontées? Alors les difficultés, oui, j'en ai eu pas mal. J'en ai eu pas mal. Le mindset a été plutôt aisé pour moi d'un point de vue intellectuel. Voilà. Et finalement, je me suis rendu compte que j'avais plein de blocages, mais que du coup, le fait de relire la morning formula tous les jours me faisait grandir, me faisait dépasser plein de choses. Le fait d'être en coaching avec Kevin, ça m'a fait dépasser à chaque fois la partie de blocage, c'est-à-dire par exemple un exemple concret, j'avais peur, j'avais pas compris, je pense, est-ce que ça signifiait le boost organique au départ. Et je me suis dit, mon Dieu, je vais être complètement submergée par toutes ces questions, etc. Voilà. Et en fait, parce que du coup, comme je suis une hypersensible aussi, le côté émotionnel a pris le dessus, évidemment. Et en fait, quand j'ai
quand j'ai transformé ça en ma vision haute, ce qu'on appelle la vision haute dans la formation de coach prospère, c'est-à-dire mon grand pourquoi, c'est-à-dire ce qui me fait vibrer en fait, c'est-à-dire le partage, qui est une grande valeur pour moi. Et ben, ça m'a fait dépasser ça. Et c'est grâce au coaching de groupe, grâce à Kevin, grâce à ton mindset à toi, voilà, qui m'a fait dépasser ça aussi. Hop, bravo, Ouais. bravo en tout cas, parce que c'est vrai que c'est des choses qui sont pas forcément évidentes à traverser. Sortir de sa zone de confort de cette manière, c'est pas évident. Et c'est vrai que tu as raison de souligner l'impact de relier ça à du sens, ce qui est vraiment important pour nous pour se dépasser, se transcender et puis parvenir à réaliser ces actions qui nous parvenaient, enfin, qui nous semblaient inimaginables. Quelque temps auparavant, c'est vrai que c'est ça la base. Ouais. Et surtout, ça apporte une grande confiance en soi, en fait. Ouais. Et Ouais. Ouais. ça la nourrit jour après jour. Et vraiment, tu sens ce sentiment de grandissement intérieur. Tu te dis, ah, j'ai réussi à faire ça, alors qu'hier, j'étais complètement bloquée avec ça. Et je ressens aussi que dans la formation, tu as vraiment autant de transformation intérieure que extérieure. Vraiment, et que les deux se font en équilibre. C'est vraiment ce que j'ai ressenti. Dès que je sentais une problématique extérieure, c'est-à-dire en technique par exemple, je dis, tiens, ça me faisait tout de suite bosser sur l'intérieur et inversement, tu vois, comme un lémniscate en fait, un cercle infini qui me fait bosser sur l'intérieur et sur l'extérieur. Et je me dis qu'aujourd'hui, mon accompagnement auprès des coachés, il se fait vraiment en lien avec ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je dis, voilà, vous pouvez faire ça, ça veut dire que moi-même, je l'ai vécu en fait. Et tu grandis avec ça, en fait. Et c'est très intéressant parce que du coup, tu es en équilibre avec. On dit souvent marche ta parole. C'est-à-dire que tu dis ça, tu dis de faire ça, mais toi-même, tu l'as vécu. Donc, c'est une part authentique que je trouve essentielle, en fait, dans la proposition que même vous, les coachs, j'ai remarqué souvent, je faisais des posts comme ça dans le groupe intensif de Coach Prospère parce que. Justement, vous êtes aligné avec ce que vous dites. Quand vous proposez votre coaching du jour, derrière, tout de suite, il y a la mise en action du coach qui fait qu'elle est alignée avec ce qu'elle présente sur le moment. Et ça, cet alignement et le fait de marcher sa parole, ben, c'est pareil, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vraiment, tu sens que tu mets les pieds et tu sens que voilà, qu'il y a un socle solide derrière, quoi. Hop, excellent. Qu'est-ce qui a changé au niveau de ta vie aujourd'hui? De l'affirmation, beaucoup d'affirmations, le fait de m'autoriser, de jouer avec ça et de prendre chaque obstacle comme un jeu, pleinement. De dire, tiens, comment je peux m'amuser avec ce truc qui me fait dans la gorge et dans le cœur et dans le corps, voilà. Aussi d'avoir cette confiance en l'étape après étape, parce que je pense que je suis quelqu'un d'impatient, pour être tout à fait honnête. Et ça me permet aujourd'hui de dire, ouais, ok, si tu es impatiente, c'est parce que tu veux la montagne qui est là-bas. Mais si tu crées cette impatience-là, ça crée de l'anxiété. Alors que si tu prends la marche par marche, tu sais non seulement que tu vas y arriver, mais en plus, ça va t'apporter de la sérénité. Excellent. Excellent. Et c'est quoi l'impact de ce type de changement? Par exemple, le fait de savoir apprivoiser cette impatience, par exemple. Eh bien, ça change tout parce que je pense que ça change ton rapport à toi, ton rapport au monde. Ça me fait grandir dans mes coachings, Ouais. mes accompagnements. Ça, c'est précieux. Et je sens que de toute façon, à mesure que moi, je me transforme, que je libère quelque chose en moi, ou que je transforme, c'est l'ensemble que je transforme en fait. C'est toi, c'est le groupe. C'est les coachés, c'est la planète, voilà, c'est écologique pour moi en fait de faire ça. C'est-à-dire que j'ai cette conscience aujourd'hui que vraiment, lorsque moi je me transforme, je vais transformer l'ensemble en fait. Et je peux pas ne faire, ne pas faire, enfin, faire semblant en fait. Je peux pas ne pas voir aujourd'hui en fait.
et me dire que ben, cette impatience-là, si je ne l'avais pas regardée en face, voilà, et ben, je me dis que ben, j'aurais vu la montagne, j'aurais peut-être pas été jusqu'au bout de mon projet, déjà aussi. Ça m'aurait certainement épuisée énergétiquement. Et vraiment. Et je pense que c'est ça qui aurait pu créer, qui a déjà créé, de ne pas aller jusqu'au bout d'un projet. D'accord. Okay. Ouais. Alors Super. qu'aujourd'hui, ben, aller au bout de ce projet, c'est tellement important pour moi, en fait. Ouais. Hop, excellent. Bah, qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça, ce que tu as mis en place? La fierté. Grave. Ouais. De la fierté, de la joie aussi, de prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, moins de sérieux, parce que je suis quelqu'un de perfectionniste aussi. Enfin, voilà, je le suis un peu moins, mais voilà, j'ai quand même ça d'engrammé en moi, quelque part, et que cette perfection, j'essaie de voir en quoi elle m'est bénéfique, et puis dès qu'elle me dessert, on voit en quoi ça devient un inconvénient, comment je peux la transformer en fait. Et ça devient beaucoup plus léger aussi, cette notion de perfection, parce qu'en plus, cette perfection-là, elle m'empêche de proposer mon accompagnement de là où j'en suis là, maintenant, aujourd'hui. Voilà. Et que je pourrais la proposer à 90 ans, que ce serait presque trop tard, quoi. Voilà. Mais beaucoup de fierté et de la joie de ressentir cette énergie de groupe-là et de la fierté d'avancer, quoi. Excellent, top. Mais qu'est-ce que tu dirais à la version de Jennifer d'il y a 3 mois? T'as trop bien fait de prendre cet accompagnement-là. T'as vraiment bien fait et c'est un saut quantique, ouais, une accélération du processus intérieur. Ouais, ça peut être, c'est un beau résumé, ça. Et que là, la formation, en fait, de là où on doit travailler, à l'endroit où on doit travailler chacun pour avancer, elle te fait avancer, en fait. Parce que moi, ce sont mes problématiques que j'ai eues sur la visibilité, sur l'impatience, voilà, sur ces choses-là. Mais en fait, je sens qu'avec l'échange avec les autres personnes du groupe, chacun trouve un obstacle de là où il doit travailler sur lui et grandir finalement, quoi. Ouais. Et c'est Top. un grand accélérateur parce que justement, il y a cette énergie de groupe aussi. Excellent. Bravo en tout cas pour tout ce que tu as mis en place, Jennifer. Enfin, on n'a pas parlé beaucoup de la technique, mais il y a tout cet aspect-là aussi que tu as réalisé, sur lequel Tout à tu fait. t'es dépassé. Tu as mis en place ton tunnel de vente, etc., automatisé, ta masterclass aussi. Donc bah, bravo pour tout ça. On a plus mis le focus, enfin, tu as plus développé sur toute la partie transformation interne, et je pense que bah, tu as bien fait parce que c'est plus important, j'en suis convaincu. Et bravo pour tout ça, bravo pour cette belle transformation. Rappelons-le, il y a beaucoup de travail aussi à faire. Tu nous as parlé de perfectionnisme, tu nous as parlé d'impatience, tu nous as parlé de gravir des montagnes. Bah, c'est beaucoup de choses qui se travaillent en interne. Donc bravo pour tout ça, bravo pour tout ce travail réalisé. C'est génial, c'est top. Bravo. Merci, ouais. Bah, merci à, comme tu l'exprimes bien, à ton manager d'Orange Ah oui, on lui fait plein de d'avoir bisous. été, qui m'envoie des gros bisous. Moi, j'en passe très fort, je ne le connais pas, mais j'en passe très fort. D'avoir permis de réaliser cette formation-là. Et c'est le même sentiment que j'ai d'ailleurs, D'avoir été que désagréable toi. avec moi, ce qui m'a permis de me casser et de monter ma boîte. Donc plein de bisous, merci, merci infiniment, monsieur. Bah dans ton histoire, c'est vrai que le fait que tu racontes que cet homme t'a challengé d'un point de vue professionnel pour que ça te donne l'envie de réaliser toute cette formation. Déjà, bah, le remercier, effectivement. Et aussi, c'est ce que je ressens dans la formation, là. C'est qu'on sent cette énergie en toi d'avoir voulu donner le maximum et le meilleur, tu vois, et d'avoir voulu partager pleinement tout ce par quoi tu étais passé, en fait.
pour que chacun puisse, étape par étape, aller de l'avant et puisse se transformer avec tous ces blocages, mais puisse accéder à l'objectif qu'il souhaite atteindre, quoi. Yes, c'est ça. Ouais, je suis en train d'écrire un bouquin là-dessus. Excellent. En tout cas, merci beaucoup, Jennifer, de nous avoir partagé tout ça. Et puis, dans tous les cas, je te dis à très bientôt parce que bah, c'est la mi-temps pour toi. Il y a encore, on a encore du temps, on a encore quelques mois à passer ensemble. Et bah, je te dis à très bientôt. Oui, merci, à bientôt. Merci, à bientôt.